Salut les amis, bienvenue sur Exomadara TV, j'espère que vous allez bien et je vous retrouve aujourd'hui pour une première vidéo en 2023, enfin du moins que j'enregistre en 2023 puisque celle d'hier était déjà enregistrée depuis belle lurette. Aujourd'hui je vais vous proposer pas mal d'informations, on va avoir un mois de janvier qui risque d'être riche en contenu sur Apex, alors malheureusement beaucoup de skins, mais qui dit skin dit aussi des events, des patchs et quand on a des patchs on a du data minage et des informations pour la saison suivante. Donc normalement je pense hein, et j'espère qu'on devrait avoir beaucoup d'informations dans tout le mois de janvier qui vont nous éclairer un petit peu sur quelle direction va prendre Apex Legends en saison 16 et pour le reste de l'année. Comme vous avez pu le constater, Respawn a été très inactif hein, depuis deux saisons. On a deux saisons, la saison 14 et la saison 15, qui ont été vraiment pauvres en contenu. EA est très conscient du fait que Apex est devenu le seul FPS qui génère de l'argent. Sur Battlefield, on peut voir que ça ne marche pas. Hein. La bande de skins, ça ne fonctionne pas du tout. Là où sur Apex, ça fonctionne toujours aussi bien. Les derniers skins prestige ont été énormément vendus. Donc, je pense qu'il va y avoir quand même un petit renouveau qui vont essayer de relancer la licence fortement. Du moins, il va se passer des choses dans cette année 2023 pour Apex Legends. Et vous le savez, je suis toujours là, je ne bouge pas. On va continuer à assurer les news et le contenu sur le jeu. Donc là, je vous ai préparé un petit récapitulatif de tout ce qui va se passer sur ce mois de janvier. Je voulais le faire avec du gameplay au début, puis finalement, j'ai décidé de m'enregistrer en format facecam parce que c'est le format que je préfère le plus. Et on va passer en mode news de temps en temps et je vais vous montrer ce qui va arriver. Ce qu'il faut savoir tout d'abord, c'est qu'il y a un event qui est prévu en saison 15, donc dans la saison actuelle, qui est sur le thème des sorcières. Magic Witch, il va s'appeler. Il sortira en janvier ou en février. On ne sait pas vraiment la date. On ne sait pas quel est cet event, comment il va être, quel format, est-ce que ce sera un event thématique, un event de collection. On n'a pas d'infos. Cet event contiendra 4 skins. On va passer en mode news, je vais vous montrer les skins. Un skin pour la dévotion, que vous voyez ici, c'est un skin épique. Ensuite, un skin pour la sentinelle qui est en dessous. Donc on est sur le thème Magic Witch, hein, sorcière magique. N'essayez pas de me demander d'où ça vient, mais bon voilà, c'est l'information qu'on a eue. Ensuite, deuxième lot de skins. On aura un skin épique de RE45 et un skin épique de Rampage. Ce n'est pas les skins les plus ouf, mais bon, voilà, c'est ce qui a été dataminé ou du moins ce qui a fuité dernièrement. Après, il fait état aussi de deux bannières, je vous les montre tout de suite. Une bannière pour Fuse ici, donc toujours dans ce thème sorcière magique. Et ensuite, une autre bannière pour Vantage, que vous voyez ici avec des espèces de crapauds qui sortent d'une potion magique, avec sa petite chauve-souris que l'on retrouve, etc. C'est des éléments qui avaient fuité en début de saison, que je vous avais déjà montré dans d'anciennes vidéos. On passe en mode full cam, et ce qu'on sait aussi, c'est qu'il y aura 5 skins épiques pour Catalyst, pour Ashe, pour Valkyrie, pour Revenant et pour Lifeline. Bien évidemment, je pense qu'il y aura aussi une flopée de skins légendaires, mais on n'a pas encore l'information. Sachant que le prochain event est le 10 janvier et qu'il y aura très certainement le patch demi-saison, il y a des chances qu'on ait toutes ces informations qui arrivent avec le data minage. Ensuite, deuxième information importante à retenir, c'est le 4 février. On arrive sur la 4e année d'Apex Legends. Même moi, je ne réalise pas, ça fait déjà 4 ans que le jeu est sorti. Et donc, on va avoir l'event anniversaire. Il y aura des skins légendaires. Un skin légendaire pour Newcastle, mais on n'a pas d'autres infos sur les autres skins légendaires. Ensuite, au niveau des skins épiques, on sait qu'il y aura des skins épiques pour la Car, pour la R301, pour le Wingman et le Mastiff. On n'a toujours pas de visuel, comme je vous ai déjà dit. Il y a des chances que ces visuels arrivent dans le patch du 10 janvier. Ensuite, on enchaîne avec un autre event. Il y aura l'event du Nouvel An chinois. Vous savez que chaque année, Apex Legends fait un petit event quand il y a le Nouvel An chinois. Cette année, le Nouvel An tombe le 22 janvier. Donc, l'event dans le jeu sortira soit le mardi d'avant, soit le mardi d'après. Mais dans tous les cas, ce sera sur la fin du mois de janvier. Dans cet event, on aura un skin pour Watson. Je vais vous le montrer tout de suite en mode news. Donc, ce skin épique Watson Lunar, qui est plutôt sympa hein, pour un skin épique sur le thème un petit peu asiatique aussi. Ensuite, on aura un skin épique de Newcastle, mais on n'a pas de visuel. Et puis, comme pour chaque event, on aura une flopée de badges. Et là, vous reconnaissez très bien, hein, on est sur le Nouvel An chinois avec ces petits badges sur le thème asiatique. Tout simplement, il y aura forcément du contenu gratuit avec des défis à réaliser comme chaque année. Et puis au niveau des armes, on aura ce skin de R99 Fleury, skin lunar une fois de plus, toujours sur le thème du Nouvel An chinois. Alors après, je vous rappelle aussi qu'on va avoir le Heirloom de Cire. Il y a des chances qu'il sorte sur l'event du 10 janvier, donc ça va arriver très rapidement. On va avoir un trailer qui devra arriver, je pense, dans cette semaine. Et normalement, on aura le fameux mode hardcore dont je vous avais parlé. Un mode à durée temporaire où il n'y aura pas de HUD, où les gens seront en shield blanc, où le TTK sera beaucoup plus bas et beaucoup moins d'informations à l'écran.
à voir si ça peut être sympa et fun, je ne sais pas du tout, mais en tout cas ça va faire une nouveauté sur le jeu. Et puis ensuite, le 14 février, pour démarrer la saison 16, il y aura l'event de la Saint-Valentin qui proposera un nouveau mode temporaire, un mode duo spécial couple avec l'arc Bochiac uniquement, vu que l'arc, eh ben, ça colle bien au thème de la Saint-Valentin. Ensuite, je vais vous montrer ce petit visuel qui a été réalisé par Hypermist pour nous donner les informations sur les prochains skins qui vont arriver. Quand c'est écrit en jaune, c'est du légendaire. Quand c'est écrit en violet, c'est du épique. Et je vais vous dire si c'est pour la saison 16 ou la saison 15. Donc pour Newcastle, on aura un skin en saison 16 pour l'event anniversaire. Un skin pour l'event Party Beach, il semblerait que ce soit en lien avec le Battle Pass. Un skin pour l'event Nouvel An Chinois, épique, je vous l'ai déjà dit. Et un skin Party Mask en saison 16. Pour Ashe, pour l'event Magic Witch en saison 15. Catalyst, rien du tout. Pour Rempart, saison 15, Magic Witch. Pour Valkyrie, saison 15, Magic Witch. Et saison 16, Epic, Party Mask. Pour Seer, rien du tout. Pour Pathfinder, Party Mask en saison 16 en Epic. Vryze, pareil. Et ensuite, pour Wasson, le skin du Nouvel An Chinois que je vous ai montré juste avant. Concernant Fuse, il n'y aura rien. Crypto, rien du tout. Et Loba, Party Mask en saison 16. Ensuite, pour Lifeline, Magic Witch en saison 15. Pour Horizon, rien du tout. Pour Caustic en saison 16, Party Beach. Pour Mad Maggie, Party Beach en saison 16. Pour ensuite Blue Dawn, on aura une édition Recolor, donc le skin édition en Recolor en légendaire, je ne sais pas exactement lequel c'est. Un Recolor du Road Warrior aussi, on ne sait pas si c'est en saison 15 ou en saison 16. Pour Bangalore, le Party Beach en saison 16 en épique. Et une édition Recolor aussi, donc le skin édition. Vous savez, cette espèce de skin où elle ressemble à un super héros. En Recolor qui devrait arriver en légendaire aussi, notamment dans la boutique, je suppose. Et pour Gibraltar, le fameux skin GJGB, où il a une grosse chaîne en or, des sortes d'enceintes, en Recolor également et en légendaire. Ensuite, autre info d'Hypermist, on aura ces skins-là aussi en Recolor. Donc ce skin de Loba, c'est le skin de sa version édition. Ensuite, ce skin-là qui a eu pas mal de succès pour Valkyrie, et ce skin-là aussi pour Bangalore, que j'aimais pas mal avec le petit dispositif sur l'œil. On repasse en mode full cam pour les dernières informations. D'après Hypermist, dans une de ses dernières vidéos, il devrait y avoir aussi, dans la saison 16, ou du moins dans l'année 2023, un mode avec du Akimbo, c'est-à-dire avec deux armes. Alors, je ne sais pas si c'est un mode temporaire, si ce sera quelque chose qui sera intégré dans le jeu, on ne sait pas encore, mais apparemment, dans les lignes de code du jeu, le Akimbo est prévu pour quelque chose. Ensuite, petite information importante, la nouvelle classe Skirmisher qui va être proposée en saison 16 avec le gros rework des légendes, et bien cette classe qui est basée sur les déplacements aura comme passif de voir ce qu'il y a à l'intérieur des care packages. Ça avait déjà fuité dans des lignes de code, et bien maintenant on a l'information. Donc Pathfinder, Vryze, Mirage, Octane, Horizon et Valkyrie pourront en saison 16 prédire ce qu'il va y avoir dans un care package. Donc c'est quand même pas mal comme passif, on va voir un petit peu en jeu ce que ça donnera. Et puis ensuite, je vous reparle aussi d'un mode qui va arriver dans le jeu, le fameux mode Heatwave, qui va faire des vagues de feu sur la map sur laquelle il sera joué. Et en fait, pour vous mettre à couvert de ces vagues de feu et ne pas prendre des dégâts, il faut être dans un bâtiment en intérieur. Et si jamais vous ne voulez pas prendre des dégâts d'une autre manière, il y aura un seul item unique sur la map, un item de protection qui apparemment serait apparenté à des lunettes de soleil, on va dire à peu près, mais je pense que ce sera différent. Et cet élément vous permettra de ne pas prendre des dégâts. Ça risque d'être un mode temporaire qui sera sympa à jouer. Donc j'attends impatiemment de voir quand il va être présenté. Parce que je pense vraiment que ça peut être un mode plutôt cool et plutôt fun. Donc voilà pour toutes les informations du mois de janvier et de ce qui va arriver dans les semaines qui vont suivre en février et en saison 16. J'espère que vous aurez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter. Je vous dis encore à tous une très bonne année. Et puis je vous retrouve très rapidement pour d'autres infos sur Apex Legends. Bonne journée à tous! Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden, I don't look at anything the same.